L'Université du Québec, c'est l'université à la grandeur du Québec. C'est aussi l'université pour les Québécois. À Montréal, c'est l'université Centre-Ville. Elle s'installe au cœur du quartier latin pour mieux répondre aux besoins scientifiques et culturels de la population francophone, jeune et adulte. À Trois-Rivières, elle travaille à résoudre des questions économiques régionales, comme celle du papier, et les problèmes de demain, comme ceux de loisirs, de santé et de sport, tout en développant l'étude de la culture québécoise. À Rimouski, rayonnant sur le bas du fleuve, la Gaspésie et la Côte-Nord, elle se tourne vers la mer. À Chicoutimi, vers le nord. À Québec, elle ouvre une école nationale d'administration publique. Avec son Institut national de la recherche scientifique à Québec et à Montréal, l'Université du Québec s'attaque au domaine touchant directement l'avenir des Québécois. L'eau et la mer, l'énergie avec l'Hydro-Québec, les études urbaines, la santé, les télécommunications. Dans le Nord-Ouest et l'Outaouais, elle apporte l'enseignement universitaire dans des régions jusqu'alors délaissées. Dini, la poésie a des ennemis et doit en avoir. Et le plus pur ennemi de la poésie, c'est le poète lui-même. Parce qu'il doit saccager les notions. Et il y a une notion de la poésie dont se nourrissent les pédagogues et les chanteux que le poète doit absolument saccager avant de commencer à écrire. Et ça, ça a toujours été important pour moi parce que j'ai appris, moi, avec ce maudit cours de lettres que j'ai fait. Partout au Québec, enfin, dans 70 villes et villages, les cours télévisés de Père Mama vont perfectionner les maîtres en mathématiques. Et Père Mama, c'est le début de la télé-université du Québec, de l'université à domicile, de l'université de demain. Avec le collet. J'ai le don de le lever aussi. Ben. Monsieur, l'évangile, moi, c'est pas là, je n'importe.